Dans cette vidéo, je voudrais te montrer comment faire une vignette YouTube en quelques minutes. C'est parti, je te montre exactement comment j'ai fait la vignette de cette vidéo. Top Parti. Bah ben oui, parce que tu le sais, hein, sur YouTube, c'est important la vignette. C'est ce qui accroche l'œil. Il faut vraiment une vignette qui accroche l'œil. Et c'est quoi qui accroche mieux l'œil pour faire une vignette Eh bien, c'est une tête. Alors, si possible, un petit peu rigolote, un petit peu surprenante. Mais en tout cas, il faut mettre ta tête. Et puis, souvent, il y a un fond. Alors, si tu veux t'en convaincre, on va faire un petit tour sur YouTube. C'est parti. Là, tu vois, page d'accueil de YouTube. Et tu as des têtes, des têtes, des têtes, des têtes. Euh, si tu demandes pourquoi j'ai doroté, c'est que ma fille est passée par là. Bon, euh, tu vois, il y a plein de têtes comme ça, etc bah voilà quoi il y a des têtes partout mais l'idée c'est comment on fait des vignettes comme ça bon bah je vais t'expliquer un petit peu comment on fait ça bon attends avant d'attaquer ça il va me rencontrer un truc ouais ma fameuse casquette que j'ai sur la tête tu sais j'ai fait une vidéo l'autre jour pour t'expliquer pourquoi je portais la casquette et ben bah, je vais te dire un truc j'ai plus besoin de la porter parce que hier je suis allé chez le coiffeur. Alors tu regardes, je me repeigne un petit peu comme ça, tac, 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 tac. voilà, hop. Et il euh, y a un truc que je fais toujours quand je vais chez le coiffeur, quand j'en reviens, je prends toujours quelques minutes. Je viens dans le studio et je fais des photos pour mes vignettes, justement pour euh, tant que j'ai une bonne tête, tu vois, comme ça. Je fais des photos pour mes vignettes. Et donc euh, je voulais te montrer justement un petit peu les coulisses parce que ça fait un bout de temps que je dois te partager cette astuce-là que je l'ai pas fait. Et donc je voudrais te montrer comment je le fais. Et je vais t'en montrer un petit peu plus pour aller un petit peu plus loin. Je vais pas me contenter de te montrer l'astuce technique. Que j'utilise, mais vraiment, il y a un petit point vraiment particulier que je fais et que je pense, tu vois, qui euh, je ne sais pas si quelqu'un d'autre le fait comme ça, mais en tout cas, moi, ça me fait gagner un temps et Norme. Pour bien t'expliquer le principe de fonctionnement de mon astuce, il faut que je te rappelle l'installation de mon studio. J'ai fait une vidéo vraiment sur le sujet. Je me souvent la question, donc je le dis ces vidéos-là sont tournées avec mon appareil photo. C'est mon Sony A6000 qui est branché directement sur mon Mac par une clé CamLink 4K Delgato. Donc là, j'ai fait une vidéo sur le système. C'est ce qui me permet d'avoir un setup qui est toujours identique. C'est-à-dire que je pose l'appareil fixé sur une perche de micro, notamment pour le podcast. Il est fixé à bureau je peux le positionner comme je veux c'est branché directement sur l'ordinateur et à partir de là je peux enregistrer mes vidéos directement sans toucher à aucun câble je déplace je peux bouger tout ce que je veux tu vois, j'ai plus qu'à allumer l'éclairage et ça marche à partir de là l'astuce elle devient toute simple en fait c'est que bah, j'utilise le même système pour faire ma vignette alors Comment eh ben C'est assez simple. J'utilise un logiciel qu'on a tous sur un Mac qui s'appelle QuickTime. Et à partir de QuickTime, je fais enregistrer une vidéo. Et donc maintenant, ensuite, je me pose devant l'appareil photo et je fais les poses que je vais utiliser pour... Ma vignette. Mais ce que je fais en fait, c'est que au lieu de faire des photos, je fais vraiment une vidéo, ce qui me permet de faire plein de poses. J'ai pas besoin d'avoir des télécommandes dans la main. J'ai pas de question de minuteur. Il n'y a pas de question de s'il si faut faire des rafales ou quoi que ce soit. En fait, je fais une vidéo et je prends différentes poses et je fais à chaque fois une pause hein, vraiment. Hein, je bouge, tac. Et comme ça filme tout le temps, en fait, je peux prendre ensuite à n'importe quel moment la séquence qui m'intéresse. Maintenant, on en vient à l'étape suivante. C'est comment Vraiment, je fais ça, c'est-à-dire quel outil j'utilise pour justement, faire cette petite séquence. Et c'est là que j'ai un logiciel un petit peu magique, que je vais te montrer tout de suite. Je prends un logiciel qui s'appelle SnapMotion, et SnapMotion, c'est un petit logiciel qui coûte euh, pas très cher, ça fait des années que je l'utilise, il est vraiment super pratique, il est mis à jour, et continue à être mis à jour, et c'est vraiment, principe, vraiment génial. Le premier truc, en fait, tu vois, c'est qu'il me propose d'aller chercher un document, et donc je vais aller prendre le document vidéo, la vidéo que j'ai enregistrée sur Quick, euh, QuickTime, hop, et je la pose dedans. à partir de là, il me la vidéo avec un lecteur, tu vois, tac. Et donc je peux hop, la prendre, tu vois, hop. Et là j'ai un petit appareil photo et je peux faire photo. 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 Ah, là tu vois, je suis pas hop. Là peut-être. Et là tu vois, j'ai même un petit bouton pour aller une image devant, tac. Photo. <laughs> Alors, tu peux faire plein de choses comme ça. Tac, celle-ci elle aurait été bien pour la vidéo précédente. Celle-ci, tu vois, là j'ai pas les yeux qui sont bons. Là, ça va mieux. Hop, un petit pli. Là, hop, tac. Oh, celle-ci elle me plaît bien, tu vois. Hop, tac, tac, tac. Ah <laughs> Alors, ce que je fais en fait à ce moment-là, c'est que j'en profite aussi pour faire plein, 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 euh, une grosse sélection. Pourquoi Parce que en fait, je pourrais les utiliser pour d'autres euh, vidéos plus tard que je vais utiliser. Tu vois, c'est pour ça que j'ai fait des signes. Tu vois, celle-ci, qui est un grand classique. Hop, on la refait. Tac, hop. Tiens, une tête, celle-ci un peu rigolote. Hop, le pendu. Bon. Ouais, le pendu, il faudrait qu'il soit net. Hop. Alors bien sûr, tu peux agrandir la fenêtre. Hein. Moi, je le fais comme ça pour te montrer. Ouais, celle-ci, elle ce serait presque pas mal, tu vois. Le problème, en fait, c'est que... Hop Attends. Tu vois, je regarde pas. Le problème c'est que je regarde mon écran de contrôle, et là on va regarder, hop, tu vois, oh, je prends la partie la plus nette et je fais ça. Et donc là maintenant j'ai plein de photos en fait, tu vois c'est ce qui est génial en fait, et à partir de toutes ces photos, ce que je peux faire en fait, tu vois je peux toutes les revérifier, hein, ils me ramènent à chaque fois au truc, je peux... Je fais tout sélectionner et ensuite je fais exporter. Et j'exporte tout en fait. Alors moi j'exporte en JPEG, hein, mais je pourrais exporter en meilleure qualité. Et là tu vois d'ailleurs, il fait des petits gifs animés aussi. C'est-à-dire qu'il peut faire des séquences avec toutes les images les unes derrière les autres pour faire un petit gif animé, ce qui serait assez rigolo. Bon là je vais exporter en JPEG. Et ce que je vais faire en fait, c'est que j'ai un dossier dans lequel il y a mes euh, photos, tu vois, photos, mois, vidéo. Je fais un nouveau dossier, euh, juillet 2021. Et j'enregistre tout dedans. Et donc maintenant, si je vais chercher le dossier sur mon ordinateur, juillet 2021, hop, on va ouvrir. Tu vois que là, j'ai mis ma sortie quand même. Euh, 25 photos. Faire un tri si je veux. L'étape suivante maintenant, c'est de faire la vignette. Alors il y a plein d'outils pour la vignette. Je vais te montrer deux méthodes. Hein. On ne va pas partir sur Photoshop, etc. D'ailleurs, je n'ai pas Photoshop. Euh, moi, sur mon ordinateur, j'utilise Pixelmator euh, ou Affinity. Bon, Pixelmator, c'est pas mal. Mais tu vois, pour ce genre de choses, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse Il faudrait que je fasse du détourage. Euh, ça serait un petit peu pénible de faire du détourage. Moi, je ne suis pas fan du détourage et je trouve que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Moi, ce que je voudrais faire, c'est te montrer deux méthodes qui marchent très, 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 très vite. Euh, tu vas voir, tu ne vas pas te prendre la tête très longtemps avec ces outils-là. Ça marche parfaitement bien. Le premier outil s'appelle Remove Background. C'est un outil qui n'est pas gratuit totalement. En fait, quand tu crées un compte, la première photo est gratuite. Si tu veux l'exporter en pleine taille, sinon, euh, c'est payant. Euh, si tu veux avoir les pleins formats, si tu veux avoir juste une petite vignette, tu l'auras en gratuité. Alors, le principe est simple c'est que tu prends la photo qui t'intéresse, tu la déposes sur la zone de chargement, hop, ici, et il va chercher tout seul hein, à enlever le, le fond. C'est fait. <laughs> voilà, c'est fait. Qu'est-ce que je te dis de plus euh, C'est fait. Alors, le principe, c'est que c'est un outil qui est gratuit avec la photo en petite qualité et gratuite à cette taille-là. Alors, ce qui, des fois, peut être suffisant, mais souvent n'est pas suffisant. Ça, c'est à toi de voir. Si tu veux l'image en taille réelle, en grande taille, il faut télécharger en HD. Si tu n'as jamais utilisé cet outil-là, tu dois créer un compte. La première fois que tu utilises l'outil, il t'offre une photo en grande taille. Ça, c'est bien. Ensuite, tu dois payer. Euh, voilà, tout simplement. Euh, c'est pas très cher, en fait. Hein. C'est une question de voir. Tu vois, c'est on a des forfaits, euh, c'est des crédits alors soit tu achètes euh, une image par une image et ça va te coûter euh, presque 2 euros l'image, ce qui n'est pas vraiment donné soit tu prends, prends un petit pack de crédits tu vois, euh, par exemple déjà si tu prends euh, 9 euros, tu vois tu as un crédit avec, euh, ça te descend à moins d'un euro l'image s'il doit faire euh, une vidéo par euh, semaine Bon bah finalement avec 9 euros ça va te faire 2 mois environ, c'est pas vraiment cher pour un tel outil. Une fois que tu as terminé, donc tu récupères bien entendu une image tu vois qui est détourée, donc ici sur Mac elle est comme ça, c'est un fond gris mais en fait elle a vraiment pas de fond et tu peux utiliser dans n'importe quel logiciel de graphisme pour passer à l'étape suivante, c'est-à-dire construire ta vignette. Alors, pour faire les vignettes, tu as plein d'outils qui existent. Tu as un outil que tout le monde connaît, qui est très répandu, qui s'appelle Canva. Canva, l'avantage, c'est que c'est gratuit pour la plupart des utilisations. Mais dans Canva, il y a aussi une option Pro. Moi, j'ai activé l'option Pro pour faire quelques tests. Et je vais montrer en fait une deuxième méthode pour euh, arriver à détourer cette fameuse image. Et on va commencer à faire la vignette. Alors, là, je suis sur Canva. Je vais chercher YouTube, euh, vidéo. YouTube thumbnail, tu vois, c'est celle-ci, 1280 par 720. Donc ici, on va chercher quelque chose qui pourrait me plaire. Euh, hop, un petit modèle qui pourrait me plaire. Une fois que tu en as trouvé une première fois, après ce n'est pas très gênant parce que tu reprendras toujours le même modèle, mais tu peux prendre, euh, tu cherches un modèle qui te plaît au départ. Tiens, on va dire euh, celui-ci, par exemple. Tac. Donc là, il te charge euh, logiquement le modèle avec tous les éléments. Euh, tu vois que tu as du texte, que tu as une photo là qui est ici. Et tiens, on va se dire, si j'ai remplacé la photo qui est ici par ma tête à moi. Alors, comment le faire Bon, bien sûr, je pourrais prendre l'image que m'a fait Remove Background et la déposer directement ici. Tu vois qu'elle est bien transparente au passage. Alors, si je la grossis, tu vois que ma taille de 640, comme ça, bon, euh, je suis flou. Hein, vraiment honnête, honnêtement, je suis flou parce que 640, c'était un petit peu... Petit, hein, voilà, 666, c'est un petit peu petit. Mais ce que je peux faire, en fait, c'est que je peux prendre l'image en grande taille que j'avais prise tout à l'heure. Je peux la mettre dans Canva. Hop, là, tu vois, j'ai mon image en grande taille. Je peux la grossir à peu près. Tu vas faire mon tour. Alors, bien entendu, vu comme ça, tu pourrais te dire, mais finalement, je peux faire ma, ma vignette aussi. Tu vois, comme ça, et ben, c'est pas mal. Tu vois, ma vignette. Si je change mon texte ici, si je fais un bon cadrage ici, je suis pas très fan du texte hein, qu'ils ont foutu, mais Rapide, tu vois, je peux mettre comme ça. Ce logo-là, je peux le supprimer parce que ça ne me plaît pas des masses. Hop Ça, je peux le supprimer. Tu peux changer la police. Hein, tu vois, tu peux faire ce que tu veux dans les polices. Tu as plein de polices qui sont utilisables. Bon. Finalement, je vais te garder ce qu'ils ont mis. Euh, hop, c'est une question de taille. Hop Voilà, tu vois, bah, cette vignette-là. C'est pas trop mes codes couleurs de base, mais le fond peut-être que j'aurais pu le changer, tu vois. On peut changer le fond aussi. Tiens, je vais mettre du jaune. On va changer la taille, la couleur de la police. On va mettre ça en, en noir. Hop, tac. À partir de là, tu vois, j'ai déjà une vignette potentiellement. J'ai déjà une vignette qui est faite. Euh, si je mettais une question de mes petits logos, etc., ça pourrait très bien fonctionner. L'autre astuce que je pourrais avoir, c'est que je te l'ai dit. Moi, j'ai activé Canva Pro pour voir un petit peu hein, ce qu'on pouvait faire dessus. Et dans Canva Pro, en fait, il est capable d'enlever le fond des images, tout simplement. Euh, donc là, tu vois, tu peux créer des effets. Et tu as quelque chose qui s'appelle le Background Remover. Ouais, tu vois, avec l'accent, ça va tout de suite mieux. Et là, eh ben, qu'est-ce qu'il va faire Il va essayer, lui, d'enlever le fond. Et hop là, le fond est enlevé. Et donc, je me retrouve bien avec ma tête. Alors, tu vois, il y a un petit euh, artefact là à enlever qui vient, en fait... Euh, de du montage qu'ils ont fait qui, qui est pas terrible terrible il y a une espèce de cadre qui a été ajouté un, un petit bout de truc, une petite image bon mais c'est pas grave, mais tu vois que en fait j'ai bien une euh, vignette qui est détourée grâce à leur outil alors euh, je te répète hein, cette espèce de petit truc ici là ce petit triangle qui peut gêner ça vient en fait plutôt du modèle euh, tu sais qui était sur cadre noir qui était, qui était mis c'est pour ça qu'il est un peu mal positionné mais en fait j'ai juste à repositionner un peu ma photo pour que ce soit plus joli et voilà comme ça tu vois j'ai ma vignette, vignette youtube rapide alors après tu peux faire du mélange hein, tu peux mettre des éléments par exemple on pourrait très bien regarder si je retrouverais pas en fait un logo youtube comme ça logo YouTube qui sera encore plus joli, tu vois, ça permettrait de, de renforcer un petit peu, tu vois. Alors souvent il y a le symbole comme ça de la, hop, on pourrait faire ça, un truc comme ça, vignette YouTube gratuite. Tant qu'à faire, on y met une couche de rouge ici, tac. On pourrait se demander si on pourrait pas grossir un petit peu les éléments, tu vois, on pourrait y améliorer un poil hein, peut-être, euh, et quand tu as terminé, tu appuies sur Download. Tu peux prendre la taille que tu veux, soit du PNG, soit du JPEG. Bon, autant, autant te dire que là, on peut rester sur du PNG, on s'en moque. Tu fais Download. Et hop Et voilà <laughs> J'ai ma vignette qui est terminée <laughs> Je te l'avais dit, la vignette, faite en quelques secondes. Voilà, tu sais tout, comment on peut faire une vignette facilement. Je t'ai donné toutes les astuces. Mon astuce pour aller beaucoup plus vite, c'était surtout sur l'utilisation de mon appareil photo et de faire la vidéo pour avoir toutes les mimiques. Et je t'ai montré aussi comment on pouvait détourer à la fois sur Remove Background et à la fois sur Canva. Je te le répète, en version pro, ça te fait gagner un temps énorme et ne me dis plus maintenant que les vignettes te prennent trop de temps à faire. Voilà, sur ce, je te souhaite de passer une très belle journée. N'hésite pas si tu as des questions et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao